Bonjour, bienvenue au Collège des Bernardins. J'ai le plaisir de. Je suis Pierre-Henri de Menton de Challenges. Je suis le directeur délégué de Challenges, qui est partenaire de la 15e édition des Entretiens de Valpré. Et j'accueille tout de suite Guislain Lafond, le président des Entretiens de Valpré. Voilà, bonsoir. Moi, je suis heureux, donc, au nom des entretiens de Valpré, des Assomptionnistes, de vous accueillir ici pour le 15e anniversaire de ces entretiens qui ont été créés donc en 2001 à Lyon. Mais ici, nous avons donc beaucoup d'invités de marque, mais nous en avons un. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a maintenant quelques mois, en janvier, j'ai été pour la première fois de ma vie aux vœux du MEDEF, parce que je voulais voir Pierre Gattaz en vrai. Et je suis sorti très enthousiasmé par Pierre Gattaz parce que j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de courage. J'ai mis un texto au responsable du MEDEF, avenue Bosquet, à Lyon, et je lui ai dit: tu pourras dire à Pierre Gattaz, que je ne connais pas, que vraiment, il se décanille, il mouille son maillot et il faut le soutenir. Il me répond, je lui transmets: pourquoi tu ne l'invites pas aux entretiens de Valpré? Réponse: chiche. Et donc il est là. Donc merci, monsieur Gattaz, d'être là avec nous. Vous avez écrit un livre que j'ai lu pendant l'été, qui s'appelle La France de tous les possibles. Le thème des entretiens de Valpré de cette année, c'est donner le goût du travail, c'est vital. Hier, dans le Figaro, il y avait un article très intéressant sur l'importance du bien-être. Les jeunes collaborateurs ont un rapport au travail qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire celui de leurs parents. Et donc, moi, je suis heureux que vous puissiez, pour ce 15e anniversaire, je dirais, voilà, nous enthousiasmer, nous faire aimer l'entreprise, nous faire aimer les patrons, nous faire aimer les salariés, parce que ça fait 15 ans qu'aux entretiens de Valpré, c'est notre objectif. Et que plus nous serons nombreux à aimer les entreprises, à aimer les patrons, mieux la France ira bien. Monsieur Gattaz, vous êtes convaincu, vous êtes convaincant, et je suis sûr que vous êtes contagieux. Merci. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci pour ces propos très élogieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Rapidement, je crois que je n'ai que 20 minutes pour vous expliquer ce que j'essaye de faire au MEDEF. Alors moi, je suis chef d'entreprise. J'ai repris une société patrimoniale Radial créée par mon oncle et mon père. Je l'ai développée dans le monde entier pendant 20 ans. Et chaque fois que je revenais de mes voyages lointains, j'avais un double sentiment sur la France. Premier sentiment, vous prenez le taxi pour vous ramener, vous ouvrez la radio et vous avez des gens qui n'ont jamais créé un seul emploi de leur vie, qui n'ont jamais géré un compte d'exploitation, qui n'ont jamais voyagé, jamais exporté, qui vous expliquent comment il faut faire et que les patrons sont d'affreux profiteurs, que les dividendes c'est horrible, que les actionnaires en profitent, etc. Et ça, pas juste une fois, mais pendant 20 ans, je dirais, ça correspond aux 30 piteuses de la France. Et puis l'autre sentiment, c'est quand vous arrivez de pays lointains, c'est que la France a des atouts considérables. C'est-à-dire on est admiré du monde entier, notre culture, notre art de vivre, nos lois, notre administration, même si elle est très lourde, efficace, notre climat, notre histoire, notre géographie. Et je me suis dit pendant 20 ans, mais quel gâchis, quand je voyais, je revenais de Shanghai, de Pékin, de Singapour, des États-Unis, de Californie, qui avaient tous compris que l'entreprise, c'est la clé. C'est la clé du succès, c'est la clé de la croissance, c'est la clé de l'emploi, c'est la clé de l'intégration, c'est la clé de l'épanouissement des hommes par le travail. Et que nous, pendant ce temps-là, eh bien, on pousse, on nous force sur des 35 heures, on nous met en place l'ISF, on fait, je dirais, de la politique politicienne en France. Et ça fait 30 ans que ça dure. Les 30 piteuses de Nicolas Bavrez. Donc, dans ce cas-là, quand vous êtes chef d'entreprise en France, soit vous avez mal au cœur, vous avez mal au ventre, et puis vous faites sans doute un infarctus ou plusieurs, et ulcère à estomac. Soit vous vendez et vous partez, ce qui a été le cas de mes 20 concurrents patrimoniaux de Radial. Souriau, Connectral, Sinch sont tous des entreprises créées par des ingénieurs après la guerre, que j'ai vu se développer et que j'ai vu désespérer en disant la fiscalité est trop lourde, on ne comprend rien, je ne peux pas suivre, je vends. Et, ou alors, en effet, sur le plan social, dans un monde de mutations qui bouge dans tous les sens, où il faut être capable de s'adapter rapidement parfois, vous savez que c'est très compliqué. J'ai subi deux ou trois crises à Radial, dont une très sévère en 2001. J'ai mis un an pour m'adapter, j'ai baissé 40% de mon chiffre d'affaires, il faut que je m'adapte. Je suis sorti de cette épreuve en lambeaux.
Et j'ai juré derrière que je n'embaucherais plus jamais en France. Mais quelques jours après, je me suis dit, c'est ça un chef d'entreprise en France ? On se retrouve à jurer de plus développer ses affaires, de plus embaucher. Eh bien, c'est là où je suis rentré dans mon combat en me disant, on ne peut pas laisser un pays comme ça, avec autant d'atouts, mais je dirais poussé dans de la politique politicienne, de l'idéologie, par des gens qui nous gouvernent, qui ne comprennent rien et qui n'assument pas l'entreprise. Donc ça, c'est ça mon combat MEDEF, c'est pour ça que je suis au MEDEF. D'ailleurs, je ne fais que 5 ans, j'ai changé les statuts pour ne faire que 5 ans, pour ne pas être tenté par, je dirais, l'apparatchisme. Non, je suis dans une mission que je me suis donnée avec mes équipes, c'est vraiment de tenter de faire la révolution culturelle, économique du pays, une bonne fois pour toutes. C'est pas possible que donc, quand des alternances politiques se font, à chaque fois, l'entreprise est un objet politique. Alors il faut tout réexpliquer, que voilà, on fait de la fiscalité politique, il faut faire payer les riches, il faut faire payer les entreprises. Donc ça, si vous voulez, c'est plus possible. Les Anglais ont fait leur révolution culturelle il y a pas mal de temps. Les Allemands l'ont fait en 59 par le Bad Godesberg. Le Parti socialiste a dit, nous, on ne veut plus être avec les communistes, les trotskistes. Et l'outil de travail, c'est formidable. L'entreprise, on assume parfaitement. Donc, si vous voulez, pour faire accepter tout ça, comment on fait une révolution culturelle en France ? Alors, c'est très, très compliqué. Je pense qu'il faut... On a pris le parti, et je vais être un peu court, parce que je peux vous faire un discours d'une heure sur tout ça. C'est long et c'est complexe. Mais je vais essayer de synthétiser ma pensée. Quand je vois la loi El Khomri, par exemple, qui partait d'un bon sentiment qui était de déverrouiller ce marché du travail. Vous savez, je rencontre des centaines de chefs d'entreprise par semaine. J'étais à Périgueux la semaine dernière, etc. J'en vois vraiment. Je vois trois types de patrons aujourd'hui en France. Vous avez ceux qui ne veulent pas embaucher parce qu'ils n'ont pas les marges. Ils ne peuvent pas exporter, ils ne peuvent pas s'automatiser. Donc il y a un problème de marge, fondamentalement. Deuxième chose, il y a ceux qui n'osent pas, qui ont peur d'embaucher. C'est une très grande majorité en France. Plus vous êtes petit, plus je vois des gens seuls maintenant. Des gens, ils sont tout seuls. Pourquoi ? Mais parce que c'est compliqué, parce que j'ai pris un prud'homme sur la figure, ça va coûter une fortune, etc. Et puis, vous avez le troisième type de patron, qui est mon cas, c'est que j'aimerais bien embaucher, je ne peux pas, je ne trouve pas. Je cherche toujours 12 décolteurs à Dole dans le Jura. Je ne trouve pas. Donc, vous avez un problème qu'on ne nous forme pas en éducation nationale, en enseignement, des gens qu'on aimerait embaucher, qu'on ne trouve pas. Et puis, vous avez le problème de l'assurance chômage, qui fait qu'il y a deux problèmes. C'est que l'assurance chômage, il faut absolument qu'on forme mieux des gens qui sont vraiment dans des situations précaires, difficiles, et qui ne mettent pas 7 mois à se mettre en formation. Et deuxièmement, qu'on condamne les abus. Les abus, et on le sait tous, il y a des gens qui restent 12 mois, 18 mois, 24 mois. Ça m'arrive toutes les semaines d'entendre des témoignages dans des bassins d'emploi très difficiles que des personnes restent au chômage. Et en plus, ils font du black. Donc je dirais ça, tant qu'on ne regarde pas ces problèmes-là, avec lucidité, avec pragmatisme, avec courage, sans yeux politiques, parce que c'est ça le problème qui nous tue en France, c'est que tout ça est politisé. Et ça, c'est un vrai combat. Et quand vous arrivez, encore une fois, de tous les pays du monde qui se sont développés, vous dites, mais quel pays gigantesque, quel pays extraordinaire qu'on a sous le coude, admiré de tous. Quand je vais en Afrique, ils sont en admiration devant la France. Les Chinois parlent de la France, mais je dirais avec une admiration incroyable. Et non, on gâche tout. On gâche tout parce qu'on n'assume pas l'entreprise. Donc le combat, c'est que expliquer que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite, que l'économie de marché n'est ni à gauche ni à droite. Et donc il faut réhabiliter en France, un, l'entreprise, c'est en cours. Deux, il faut réhabiliter l'entrepreneur, c'est bien parti. Trois, il faut réhabiliter le travail, qui n'est pas l'exploitation de quelques-uns, le peuple par quelques-uns. Le travail, c'est l'épanouissement, c'est la dignité, c'est la fierté, c'est l'explication que des peuples entiers ont émigré pour trouver du travail, parce que dans leur pays, il n'y avait pas de travail. Donc, si vous voulez, quand on nous dit c'est pas bien le travail, il faut le contrôler, il faut le réduire encore. Enfin, je dirais, mais arrêtons de délirer. Il faut réhabiliter le capital. Car là aussi, si vous voulez, très souvent, encore en France, le capital, c'est un gros mot. Quand on nous dit la taxation du capital doit être le même que le fiscal, c'est une hérésie. Quand on continue d'avoir l'ISF, ça fait 20 ans qu'on a travaillé sans loi Dutreil entre 1983 et 2003, et que j'ai vu plein de entreprises de taille de patrimoniale partir, et que maintenant on n'a plus que 4500 ETI en France, face à 12 000 en Allemagne, 11 000 en Italie, 10 000 en Angleterre.
Eh bien, quand vous parlez de l'ISF, alors j'en ai parlé avec beaucoup de courage, je me suis fait tacler d'ailleurs par un nombre de patrons, etc., qui me disaient, mais c'est un combat perdu, Pierre, c'est pas la peine, c'est politique, machin, tu n'y arriveras pas. Je suis très très content que de voir dans les discours républicains et qu'un certain nombre d'économistes qu'on commence à dire, c'est une hérésie, ça rapporte 4 milliards, mais vous vous rendez compte le nombre de milliards perdus par an par des entreprises qui sont parties, des familles qui sont parties, des écosystèmes qui sont partis. Et j'en vois encore partir à cause de l'ISF, qui ne sont pas forcément les chefs d'entreprise d'ailleurs. Donc il faut avoir le courage un jour de régler les problèmes et d'arrêter d'inventer des antipoisons à des poisons. Il faut continuer il faut valoriser la réussite. Après, l'entreprise, l'entrepreneur, le travail, le capital, la réussite. La réussite, c'est fondamental. Il faut valoriser les réussites sportives, artistiques, culturelles, ce qu'on fait très bien en France. Mais il faut valoriser la réussite entrepreneuriale, scientifique, économique, financière. Et puis, ultimement, mais c'est peut-être mes enfants ou mes petits-enfants, c'est valoriser la richesse. C'est incroyable que dans beaucoup de pays au monde, les gens estiment la richesse. En disant, ce type-là, il a réussi, bravo, formidable, c'est un type qui a bossé, extraordinaire, il a fait un empire, magnifique. En France, ah ben non. Alors, j'en parle dans mon bouquin, d'ailleurs, je pense que le fait qu'en France, on n'aime pas la richesse, et ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a plus cet ascenseur social, qui fait que beaucoup de gens disent, mais lui a réussi, moi je ne réussirai jamais. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire refonctionner impérativement, cet ascenseur social dès l'éducation. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, comment on fait pour réformer la France et notamment pour ne pas se retrouver, comme avec la loi El Khomri, d'une loi qui n'était pas expliquée ou peu expliquée, et qui fait qu'à la fin, les Français ont juste compris deux choses, on va nous licencier plus rapidement, et les heures supplémentaires seront moins bien payées. Voilà ce que retiennent les Français, alors aidés par, je dirais, les médias, etc. Alors que c'est compliqué à expliquer, mais une loi El Khomri qui permettait au départ de déverrouiller ce marché du travail, de faire que les chefs d'entreprise auraient pu avoir beaucoup moins peur, surtout je pense aux TPE, PME. Et que quand vous regardez Londres avec ses 3% de chômage, eh bien, le rapport de force est inversé. Un salarié à Londres qui n'aime plus son patron ou son entreprise, il part. Il part le soir même, le lendemain ou le surlendemain, il a du boulot. Voilà un marché du travail fluide. Le rapport de force est inversé. Or, plus on rajoutera de contraintes sur le travail, sans préoccupation de la compétitivité économique, plus on sera verrouillé et plus, malheureusement, la France s'enlisera. Alors, quel est le principe que j'ai utilisé, que j'essaie d'utiliser pour faire en sorte que les réformes doivent être faites ? C'est un principe qui est d'essayer de donner du sens aux réformes. Et comment donne-t-on du sens aux réformes nécessaires au pays ? Eh bien, je crois que, et on a beaucoup travaillé là-dessus au MEDEF, c'est le premier étage de la fusée, c'est d'expliquer les mutations. C'est de se dire comment sera le monde en 2020, 2025, 2030. Vous avez 4 immenses mutations que vous connaissez tous sous le coude, mais qui sont très importantes. Un, le monde s'est globalisé. La mondialisation de l'économie, ça s'est accéléré, c'est rapide, et c'est une chance pour la France. Quand je vois, là encore, les Africains, nos amis africains, ils sont 1 milliard d'individus, ils vont passer à 2 milliards d'individus. Il y a 40% qui parlent le français. On est sur le même réseau fuseau horaire. Ils ont de l'estime pour nous, ils ont de l'amitié pour nous. Et ils disent, qu'est-ce que vous faites, les Français ? Vous n'êtes plus là. On voit les Chinois, on voit les Turcs, on voit les Espagnols, et vous n'êtes plus là. Donc, première chose, le monde est à équiper, le monde attend la France. Ça, c'est fondamental. Et le monde qui est à équiper, pour moi, c'est la façon la plus rapide de retrouver des points de croissance pour la France. Et ça, c'est fondamental pour le pays. Il faut aller chercher la croissance. Deuxième axe de mutation, c'est le numérique, les NBIC. Là encore, formidable mutation où les Français sont très forts. Nous avons des start-up, nous avons une école mathématique hors pair, nous avons des ingénieurs, nous avons des filières d'excellence, une créativité incroyable. Eh bien, tout ça, le numérique, la France devrait être la Silicon Valley de l'Europe. Et il faut se donner cet objectif-là. Je pense qu'on peut y arriver, réellement. Troisième grande, je pourrais développer, mais je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vite à l'essentiel. Troisième grande mutation, c'est tout ce qui est énergie-climat, bien évidemment, et là, développement durable, où là encore, les Français ont des filières. Bruno Lafont, qui est dans cette salle, connaît bien, puisque c'est le responsable au MEDEF du pôle développement durable. Nous avons fait COP21 ensemble, nous allons faire COP22 ensemble. Donc tout ça, ce sont des initiatives et des opportunités de croissance pour les filières d'excellence française. Et quatrième et dernière mutation, il y en a d'autres, mais je prends les quatre principales, les mutations sociétales, avec d'un côté le vieillissement de la population, et d'autre côté, les jeunes, la jeunesse, notre jeunesse, génération Y et Z, qui veulent être tous entrepreneurs. C'est la première bonne nouvelle.
c'est que nous, jeunes, qui voulaient tous être fonctionnaires il y a 10 ou 15 ans, veulent tous, à 55%, 60%, être entrepreneurs. C'est extraordinaire. La France bouge. C'est formidable. Ça, et plus on aura d'entrepreneurs, plus on créera d'emplois, plus on créera de richesses, plus il y aura des probabilités de s'en sortir. Donc, vous voyez, ces quatre mutations, c'est, il faut l'expliquer ça aux Français. Alors, il faut expliquer ça aux Français pour dire que ces quatre mutations, c'est des opportunités de croissance et d'emploi et de bien-être. Parce qu'en effet, face à l'emploi, on me dit tout de suite, oui, mais vous ne voulez pas être comme les Anglais, les contrats précaires, ça arrive tout de suite. Je dis, écoutez, non, l'idée, ce n'est pas d'avoir des contrats précaires, c'est d'avoir des gens qui sont peut-être temporairement avec un emploi précaire pendant 6 mois, 9 mois, 1 an dans une entreprise. Mais il vaut mieux quelqu'un qui a un pied dans l'entreprise plutôt que deux pieds à l'extérieur de l'entreprise. La pire des injustices françaises, c'est le chômage. On devrait tous être concentrés, partenaires sociaux d'ailleurs aussi, et les candidats, sur le plein emploi. C'est la seule chose que je demande aux candidats, c'est comment ils descendent au plein emploi, comment on fait 5% de croissance, comment on fait 5% de chômage en France. C'est tout, c'est la seule question. Et si vous répondez à cette question, la France est sauvée. Elle est vraiment sauvée. Parce que vous arrivez inévitablement sur les besoins de croissance. Vous arrivez sur ces quatre mutations. Où est la croissance? Il faut aller la chercher. Il ne faut pas l'attendre. Les politiques l'attendent comme la pluie, la croissance. Il faut aller la chercher. Dans nos entreprises, on va la chercher. On est tendu vers la croissance. Si on ne croit plus, c'est très, très compliqué. La France, c'est pareil. Donc, il faut aller chercher la croissance. Elle est là, devant nos yeux. Bon, deuxièmement, c'est l'entreprise qui peut chercher la croissance. Il n'y a personne d'autre à notre place. C'est nous, avec nos équipes. Donc, comment fonctionne une entreprise? Mais ça, vous le savez, l'entreprise, c'est là où, en effet, vous développez des valeurs de l'entreprise, d'équipe, et puis les valeurs de l'entrepreneur, qui sont les valeurs d'audace, de courage, de témérité, d'exemplarité. Très important, l'exemplarité du chef. Et puis, les valeurs du travail. Il faut expliquer que c'est l'épanouissement, c'est la dignité humaine, c'est le travail d'équipe. Et je dirais, toute la saga des 35 heures que j'ai très très mal vécu, parce que pendant que nous passions aux 35 heures, que les inspecteurs du travail venaient fliquer sur les parkings, les voitures, des cadres qui travaillaient au-delà de 19 heures, en disant c'est pas bien les gars, vous faites avoir par votre patron. Et ça a duré des années, ça dure encore un peu. Vous voyez cet état d'esprit terrible qui nous ramène, je dirais, et qui nous prive de compétitivité, qui nous prive de dire mais c'est formidable de travailler. Eh ben, il faut que les gens s'épanouissent, les jeunes veulent bosser. Je crois qu'il y a un article dans Figaro sur le sujet hier ou avant-hier. Bon, donc ça c'est important. Cette entreprise, c'est ça qu'il faut faire. Alors moi, ce que je dis aussi, c'est qu'une entreprise ne marche durablement. Les performances économiques durables ne sont faites qu'avec des hommes et des femmes heureux, motivés, épanouis et employables. Pourquoi employable? Parce qu'on ne peut pas garantir l'emploi à vie. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est que moi, je ne suis pas un fou ultra-libéral, comme certains journalistes voudraient me présenter. Moi, je suis pour une économie fondamentalement humaine. J'ai géré Radial pendant 20 ans opérationnellement. J'avais deux questions tous les matins. Je me suis dit, comment je peux aller chercher de la croissance? Où est-ce qu'elle est? Chez Boeing, chez Airbus, chez UAV, en Chine? J'y vais y aller, je vais me défoncer. Parce que le marché des composants électroniques en France est tout petit. Hein. Donc aujourd'hui, 20 ans après, je fais 90% de mon chiffre à l'export. Et comment je peux me développer à l'export en maintenant mes emplois en France? Voilà les deux questions. Créer de l'emploi en France, ou les maintenir? Eh bien, j'avais 900 personnes en France, j'en ai 1500 maintenant. Et je me suis aperçu que j'ai mis 700 personnes dans une usine en Mexique, j'ai mis 600 personnes en Chine, 150 personnes en Inde. Ces sites low cost m'ont permis de prendre des marchés lointains, notamment Boeing, qui ont aimé les produits à faible coût faits au Mexique, mais avec l'innovation, l'excellence opérationnelle, les matériaux que j'ai faits en France. Donc, cette association de la mondialisation des sites low cost m'a permis de créer de l'emploi. Et ça, si vous voulez, on devrait l'enseigner dans l'éducation nationale. On devrait le montrer. On devrait avoir des profs, et on fait beaucoup de choses aussi au MEDEF pour rapprocher les mondes. Mais si vous voulez, là aussi, il y a une diabolisation du monde, de l'exportation, de la mondialisation, qui fait que tous les soirs à 20h pendant 10 ans, on a vu des sites fermés à cause des Chinois, etc. L'industrie est foutue. Bon, terrible, je dirais terrible. Maintenant, il faut repartir vers de l'enthousiasme. Ces grandes mutations, c'est formidable. Le monde est à équiper, c'est génial. C'est l'entreprise qui peut faire ça. Réhabilitons l'entreprise, le travail, etc. Le capital, c'est important pour financer tout ça. Et après, vous donnez du sens à quatre blocs de réformes qui sont fondamentales pour nous. Pour exporter, moi, quand je pose la question à certaines de mes PME que j'emmène en Chine, en Côte d'Ivoire, au Maroc, etc., ce que je fais toutes les 6 semaines, j'emmène 50 à 100 PME avec moi. Et certaines me disent, oui, Pierre, c'est bien, t'es bien gentil, mais moi, j'ai pas les marges. Je peux faire une semaine de voyage, mais après, je ferais que j'y retourne, je ferais que je m'embauche un gars, je n'ai pas les marges. Donc, première réflexion qui est fondamentale,
c'est que si on veut prendre cette croissance, si on veut s'exporter, s'innover, s'automatiser, se numériser, il faut des marges. Ce n'est pas un cadeau aux entreprises, c'est des marges qui sont encore aujourd'hui à 32%, excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, sont encore loin des 40% de tous nos concurrents. La moyenne européenne, c'est 40%. Donc bravo au pacte de responsabilité. Mais ce n'est qu'un tiers du chemin, il faut le dire. Alors, quand je dis comme ça, on ne le répète pas, ou très peu. Donc, je le répète, je répète, je répète. Le pacte, c'est bien, bravo, mais ce n'est qu'un tiers du chemin. L'écart avec nos amis allemands, c'est encore de 90 milliards d'euros. Les Allemands sont à 41% de marge. Et quand vous avez des marges, quand vous avez des profits, quand vous avez une pression fiscale qui baisse grâce aux dépenses publiques qu'il faut faire baisser, parce que si vous ne baissez pas les dépenses publiques, vous n'arriverez jamais à restaurer vos marges. Donc tout est lié. Pour exporter, pour automatiser, pour faire de la croissance, pour embaucher, alors pour faire tout ça, on a besoin de marges. Pour les marges, il faut baisser la fiscalité. Pour baisser la fiscalité, il faut baisser les dépenses publiques. Je rappelle, on est à 57% du PIB. 57% du PIB. La moyenne européenne, c'est 49. Les Allemands sont à 44. Les Anglais sont entre 40 et 44, je ne me souviens plus exactement le chiffre. On est les champions du monde de la sphère publique. Alors, elle fonctionne, elle n'est pas corrompue, machin, mais elle est beaucoup trop grosse. Et quand vous avez une sphère publique à 57%, eh ben vous payez tous des impôts en tant que ménage, en tant que foyer et en tant qu'entreprise. Et on devient extrêmement lourd et on fait mourir nos entreprises. Ça, c'est la première chose. Donc, le fiscal, c'est extrêmement important. La baisse, ensuite, le rendre simple, visible, stable, compétitif et incitatif. Vous voyez, quand je vois encore un impôt ISF, c'est un impôt politique. C'est alors qu'on devrait dire, mais des gens qui ont de l'argent, c'est génial, ils peuvent investir dans les entreprises françaises. Aujourd'hui, on pousse les gens à investir dans les œuvres d'art, les forêts, les voitures de collection, c'est génial. On a besoin d'investir dans les PME, TPE. Eh bien, faisons une mesure incitative. Les Anglais ont inventé un truc. Jusqu'à 1 million d'euros, vous pouvez investir de votre poche, oui, avec déduction fiscale totale. Et si la PME est en faillite, vous déduisez de vos impôts les pertes. Voilà, c'est simple, c'est clair. Et ben ensuite, on s'étonne que les Anglais sont des champions des start-up du numérique. Ben oui. Deuxième chose, si vous êtes de la croissance, ça ne suffit pas. Parce que si on me dit, Pierre, on va se prendre de la forte croissance pour le pays, ce que je pousse, il faut reprendre un objectif de forte croissance. Au-delà de 2% idéalement, 3% possible. Avec tout ce que je viens de vous dire, 3%, c'est très possible. C'est possible. Mais si on ne vise pas le plein emploi à côté, il n'y a aucune chance qu'on crée de l'emploi. Parce que moi, à Radial, je peux faire de la croissance très forte en France avec des usines partout ailleurs, sauf en France. Je peux continuer de dire, je ne le dis plus, mais j'entends encore des gens qui me disent on va éviter la France en emploi. Pourquoi ? Trop compliqué, ce marché machin, les prud'hommes, les trucs. Écoutons ces chefs d'entreprise qui sont les créateurs d'emplois. Ce sont les champions de la création d'emplois. Il n'y a personne d'autre. Donc, si on écoute les chefs d'entreprise et leurs équipes, bien évidemment, l'idée, ce n'est pas d'avoir 25% de chômage. C'est que l'entreprise fonctionne avec des équipes heureuses, motivées, épanouies, je le répète. Eh bien, il faut déverrouiller ce marché du travail. Donc, la loi El Khomri version 1 était très bien. Bah, elle est dans le bon sens, on va dire. Bah, voilà, on a un truc qui sert strictement à rien. Les TPE-PME ne voient rien et on n'a toujours pas plafonné les prud'hommes. On a toujours 4 instances de représentation du personnel au lieu d'en avoir qu'une seule. Et on a toujours des seuils sociaux 9 et 49 qui bloquent tout le monde entre 9 et 49. Donc, le jour où on aura quelqu'un d'éclairé qui nous dira ça et qui le fera passer à l'ensemble de nos compatriotes, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mon deuxième sujet d'espoir quand même, c'est que, après les jeunes qui veulent être entrepreneurs, c'est que la majorité de nos Français, l'immense majorité, mettent les TPE-PME en tête d'une liste d'institutions crédibles et importantes pour le pays. Premier TPE-PME, deuxième justice, troisième police, quatrième l'armée, dans ce sens-là où on désordre. Tout dernier, 30e politique. 29e, les journalistes et les médias. Nous, les partenaires sociaux, 15e, 20e, pas terrible. Mais moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que les Français ont compris l'importance des entreprises. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je continue. Premier bloc de réforme, le fiscalité. Deuxième bloc, le social. Il faut déverrouiller ce marché du travail. Et ça, il faut vraiment l'expliquer. On continuera d'avoir des gens qui seront tout seuls. Moi, j'ai peur, en effet, que si on ne déverrouille pas, vous aurez des patrons tout seuls, des artisans tout seuls. Ils seront tous tout seuls. Et il y aura des travailleurs indépendants partout qui seront tout seuls. Bon, peut-être un modèle, hein ? C'est peut-être un modèle. Mais je ne sais pas si ça peut aller très très loin. Bon, troisième bloc de réforme, la simplification. Quand vous voyez que pour construire une usine de traitement du méthane, etc., il faut 6 mois en Allemagne pour avoir les autorisations, et entre 5 et 7 ans en France, vous dites, est-ce qu'on veut vraiment créer de l'emploi en France ? Mais moi, je suis arrivé à la question qu'on ne veut pas créer d'emploi en France. Hein, vraiment, hein, dans toutes mes discussions que j'ai avec tout le monde, avec les politiques, etc.,
Si on voulait créer de l'emploi en France, on ne ferait pas toutes les lois et les normes qu'on nous sert depuis des années. Si on ne veut pas créer d'emploi en France, on ne simplifie pas, on continue, on a des recours, des procédures administratives, etc., les ONG qui arrivent là-dedans. Et là, vous vous mettez ailleurs qu'en France. Donc, si on veut créer de l'emploi en France, de l'activité, c'est fondamental, c'est le fléau numéro un du pays, le chômage. Eh bien, il faut simplifier. Il y a 80 codes, 400 000 normes en France. Eh bien, un code du travail de 3600 pages qu'il faudrait simplifier drastiquement, vous le savez tous. Code de la fiscalité des impôts, très compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est urbanisme, environnement. Vous avez des surtranspositions de directives européennes délirantes. Donc, si vous voulez, je dis toujours, il faut être un héros national pour avoir une entreprise en France. Et d'ailleurs, quand on a fait la gestion française, on peut la réussir partout dans le monde. On a commencé par le plus dur en France. Bon, tout ça pour vous dire, là, il faut simplifier. Ça, c'est ni à gauche ni à droite. Les Anglais ont inventé le one in, two out. Pour tout texte de loi créé, on doit en supprimer deux. Les Canadiens ont inventé des lois à durée déterminée. C'est génial. Votre loi, elle marche pendant 5 ans. Puis après, vous faites le calcul, l'évaluation. Si cette loi marche bien, a créé de la croissance, a créé de l'emploi, a créé de l'épanouissement, du bien-être pour les salariés par le travail ou par autre chose, eh ben, ça marche, on la prolonge. Eh ben, si elle est à l'envers, elle se tue toute seule. Il y a des tas d'idées sur la simplification. Et en plus, ce n'est pas un sujet droite-gauche. Et quatrième chose, c'est l'enseignement et l'éducation nationale. Moi, je trouve ça scandaleux que l'éducation nationale continue de générer 150 000 décrocheurs par an. Je trouve ça scandaleux qu'on pousse toujours à avoir 80% de bacheliers académiques avec 25% de chômage des jeunes derrière et 50% de chômage des jeunes dans les banlieues. Alors que vous prenez le modèle suisse, on ne parle jamais de la Suisse en France, vous avez remarqué, hein, c'est tabou. Hein. Bon, formidable la Suisse, 25% du PIB dans l'industrie. On pense que c'est tous des financiers. 25% du PIB dans l'industrie. Nous, on est à 12. Vous avez 30% de bacheliers académiques en Suisse. Ça veut dire quoi? Et vous avez donc 70% de jeunes qui partent dans l'apprentissage, l'alternance, et qui ont des passerelles pour revenir, et qui peuvent être ingénieurs, voire docteurs. Donc, et ils ont 3% de chômage, et 4% de chômage des jeunes. Bon, c'est extraordinaire, nos voisins, avec un code du travail de 60 pages, entre parenthèses. Bon, tout ça pour vous dire, si vous voulez, que si on veut créer de l'emploi, si on veut retrouver, un optimisme pour les Français, si on veut rendre cette France, qui est aujourd'hui la France de tous les impossibles, il faut rendre cette France de tous les possibles, eh bien, il faut faire confiance aux entreprises, aux entrepreneurs, à leurs équipes, ne arrêter d'opposer, arrêter dans un rapport de force systématique, comme j'entends certains syndicats, et pas la CFDT, heureusement, mais dans le lieu des classes, le rapport de force et la détestation d'entreprises privées, parce que c'est encore ça, la France. Tant qu'on aura ça, eh bien, ça ne marchera pas. Il faut vraiment faire cette révolution culturelle. Par les mutations, c'est l'entreprise, un objectif collectif qui est forte croissance, plein emploi, ces quatre blocs de réforme, et je terminerai par les conditions du succès, c'est une révolution un peu culturelle qu'il faut mener. C'est faire confiance. On ne fait pas assez confiance aux gens en France. Vous êtes toujours dans un environnement, vous voyez, vous avez un problème, eh bien, on vous met une taxe ou une contrainte. Donc, c'est un environnement de contrainte, contrôle, sanction. Donc, on vous invente tout de suite un texte de loi, une contrainte, un contrôleur et une sanction si vous ne faites pas le truc. Ça, vous induisez de la méfiance et de la complexité. Il faut travailler. Et moi, je rêve que nos inspecteurs URSSAF, nos inspecteurs du travail soient des conseillers. Il faut passer par un environnement de conseil, de motivation pour induire de la confiance. Donc ça, c'est un sujet compliqué en France, mais il faut le travailler. Deuxième chose, c'est encourager la prise de risque. Les entreprises prennent des risques. Tous les jours, on prend des risques. Tous les jours, il faut inventer le futur. Il faut se développer. Il faut aller chercher des marchés nouveaux. Il faut investir des pays nouveaux. On est en paranoïa de développement ou parfois en paranoïa de survie. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes en France, sphère publique, etc. Alors, l'entreprise, c'est des héros. Nous sommes des Christophe Colomb et on embarque nos gars avec nous. C'est fondamental. Et donc, cette prise de risque, il faut l'encourager, il faut l'accepter. Il faut accepter le droit à l'erreur parce que l'innovation, c'est le droit à l'erreur. Et puis, troisième chose et dernière chose, c'est tout ce qui est encourager, développer, célébrer les réussites. Comme je le disais, je crois qu'il faut célébrer pas seulement les réussites de notre équipe de foot formidable ou des Jeux Olympiques magnifiques, mais il faut célébrer toutes les réussites et les réussites économiques. Et je crois que si on arrive à faire tout ce programme-là, c'est ce que je pousse à faire auprès des candidats, si vous voulez, c'est de leur dire, mais vous avez certains ont des bons programmes, mais je leur dis, vous n'avez pas de vision à 2020, 2025, 2030, et deuxièmement, vous ne donnez pas du sens à vos réformes. Donc vous allez peut-être arriver au pouvoir, c'est formidable. Mais pourquoi vous allez faire mieux sur la loi du travail que Manuel Valls et El Khomri? Expliquez-moi, comment ça va se passer?
Bon, donc il faut expliquer par un projet collectif. C'est ce que nous faisons dans nos entreprises, toute la journée. On explique toute la journée où est-ce qu'on va à un an, à deux ans, à trois ans. On essaye d'embarquer les gens. C'est les processus de qualité totale, de lean management, tous les outils modernes de management, de motivation. C'est ça, la France. C'est comme ça qu'on gère les entreprises dans la durée. C'est avec nos équipes et c'est le sens du travail pour revenir à la fin. C'est comme ça que les boîtes performantes durent dans la durée. Moi, je connais très peu de boîtes, alors on en peut en trouver, qui arrivent à durer avec des salariés malheureux. Ça existe, mais ça ne dure pas très longtemps. Alors, c'est un groupe international qui a décidé de se restructurer. Oui, on trouve des exemples. Mais la plupart des entreprises, et surtout les PME et ETI que je connais, elles ont, c'est important d'emmener ces équipes et que le travail soit épanouissant et motivant. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Je suis prêt à répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous avez un engagement. On ne va pas vous retenir trop longtemps. J'avais juste une question. Donc, il y a un quinquennat qui s'achève. C'était quoi le mieux dans le quinquennat et le pire? Écoutez, ce que je vois dans ce quinquennat, les bonnes choses, c'est une prise de conscience grâce au rapport Gallois de la grande faiblesse des marges, de l'importance de l'entreprise. Et je salue le virage que je n'appellerai pas libéral parce qu'il y a une connotation droitière, mais un virage entrepreneurial. Du président et du gouvernement, plus ou moins bien assumé par des ministres d'ailleurs et par la majorité. Mais je crois, si vous voulez, qu'on a peut-être assisté à l'événement d'une gauche réformiste que je pense qu'est fondamentale pour le pays dans les 50 prochaines années. Si on a une alternance d'une droite intelligente avec une gauche réformiste, comme en Angleterre ou comme en Allemagne, c'est-à-dire qui a compris que l'entreprise, c'est la clé de tout, c'est gagné. Si vous avez une gauche, en effet, qui arrive en disant « Bon, les salopards de patrons, cadeaux aux entreprises, on va les taxer. » Et là, vous avez deux ans à trois ans à ramer comme des fous, ce qui s'est passé dans les deux premières années du quinquennat de François Hollande. Et puis après, vous avez des dispositifs qui sont complexes dans ce quinquennat, si vous voulez, qui viennent troubler, en fait, la visibilité de cette trajectoire entrepreneuriale où il faut considérer qu'on a besoin de croissance. Je ne vais pas refaire tout le discours. On a besoin de simplification, notamment le champ social. Et on a besoin de confiance. Si vous avez des gens qui n'ont pas confiance, et les gens qui créent l'emploi, qui n'ont pas confiance et qui ne créent, eh bien, ça ne marche pas. Donc, les prochains gouvernements devront fondamentalement travailler avec les entrepreneurs et leurs équipes. Et ce qui m'a gêné beaucoup dans ce quinquennat, mais Mme Descac le sait, si vous voulez, le dispositif pénibilité est une horreur absolue pour nous. On n'est pas contre la pénibilité. On n'est pas contre de regarder les métiers. On l'a déjà dit, d'ailleurs. On est dit par la prévention. Mais si vous voulez, le dispositif qui a été inventé dans un ministère et par des bureaucrates qui n'ont, encore une fois, jamais mis les pieds dans une entreprise, ce dispositif-là est insensé. Et pour moi, ce sont les 35 heures de François Hollande. Donc il faut régler ce problème-là parce qu'on ne peut pas rester avec ça. On ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas faire les référentiels. Vous vous rendez compte que vous devez mesurer les positions du coude des gens pendant un certain nombre d'heures de 30 degrés, de 45 degrés, de 50 degrés. Ou la position du torse. Est-ce que la personne a tourné son torse de 30 degrés? Est-ce que c'est 25 ou est-ce que c'est 32 degrés? On est dans du délire absolu. Donc, si vous voulez, vous avez des bonnes choses dans ce quinquennat. La loi El Khomri, elle est dans le très bon sens. La simplification du code du travail poussée par Badinter, bravo. Donc, vous voyez, vous avez du pragmatisme qui s'est installé. Et là, je dis bravo, ouf. Voilà une gauche qui va dans le bon sens et bravo. Et puis, vous avez des pollutions par des dispositifs. Vous savez que vous retenez, c'est comme les 35 heures, je reviens à ce sujet-là. Quand vous voyez des Chinois et des Américains, ils vous citent deux chiffres. Ça m'est arrivé deux fois. La France, c'est 35 et 75. Ça veut dire quoi? C'est le pays des 35 heures. Bon, donc déjà, on travaille beaucoup moins que les autres. Et 75% de taxes sur les hauts salaires. C'est ça que les gens retiennent. Il faut faire du marketing positif de la France. Eh bien, vous voyez, donc là, tant qu'on est dans de l'idéologie qui fait le tour du monde, dans un marché ouvert et compétitif, eh bien, la France aura une très, très mauvaise image sur le plan du business. C'est ça qu'il faut rectifier, il faut en avoir conscience. Voilà ce que je veux vous dire. Merci beaucoup.
Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton du magazine Challenge. Je vais vous présenter nos invités ce soir de cette table ronde avec Catherine Barthélémy, qui est PDG de Manuloc. Manuloc, c'est une société qui fait environ 300 millions de chiffre d'affaires, 16 000 chariots élévateurs et puis surtout un peu plus de 1000 salariés. Merci d'être avec nous. À ma droite, Véronique Descac. Donc vous êtes secrétaire général adjoint de la CFDT, le numéro 2 de la CFDT. Alors on va vous demander de réagir peut-être un tout petit peu, mais on ne va pas faire toute la table ronde là-dessus, mais au propos de Pierre Gattaz que nous avions précédemment. Bruno Lafont, vous êtes un patron, un grand manager du CAC 40. Vous êtes le coprésident du groupe Lafarge-Holcim. Vous nous apporterez toute la dimension, on va dire, internationale, puisque vous avez sillonné le monde. Lafarge-Holcim a des business dans des dizaines et des dizaines de pays. Donc, c'est une vision planétaire du travail que vous allez pouvoir nous amener. Et enfin, mon presque confrère, Georges Sandro, puisqu'il dirige le groupe de médias Bayard, qui est le partenaire principal des entretiens de Valpré. Alors, chose première, chose due, je voulais juste peut-être avoir une réaction sur, on va dire, ce qui vous a surpris et ce qui ne vous a pas surpris dans le discours, le propos introductif de Pierre Gattaz. En deux mots, hein, je vais pas vous, on ne va pas faire toute la table ronde là-dessus, mais c'est quand même intéressant. On vous a sous la main, donc c'est quand même intéressant d'avoir... Il a parlé d'ailleurs de la CFDT. Ouais. On connaît la personnalité de Pierre Gattaz, donc il ne nous surprend plus beaucoup et on a l'habitude d'une certaine forme de brutalité dans son expression. Moi, ce qui me choque quand même, et je vous remercie de me donner l'occasion de me soulager un petit peu, c'est qu'à la fois, il dit « la France a des atouts », donc il parle d'aller chercher la croissance à l'étranger, il parle du numérique, il parle du développement durable, tout ça, c'est très bien, on peut être d'accord avec ça. Mais à côté de ça, il a quand même une vision, alors qu'il dit « en face des atouts, il y a aussi des défauts », et il a une vision non seulement très pessimiste, finalement, de ce qu'est capable de faire la France, à la limite du populisme, quand même, si je peux me permettre. On a l'habitude de se parler franchement. C'est vrai, le coup du coude, bon, des degrés, parce que vous êtes... Non, mais, c'est vous, hein, la loi, la pénibilité. Cite. Le social, ça met les entreprises en lambeaux. La fiscalité, ça dépouille les entreprises. Les politiques, ils n'y comprennent rien. Les chômeurs, ils abusent et ils font du black. Les inspecteurs du travail, ils sont avec des chronomètres derrière les cadres dans les parkings. La sphère publique, elle est énorme. Les directives européennes, elles sont délirantes. Enfin, je veux dire, il faut arrêter, parce que, pour moi... Je ne dis pas que tout est faux dans ça, mais si vous voulez, un discours à ce point caricatural montre à quel point Pierre Gattaz n'est pas prêt à écouter ses interlocuteurs et surtout à prendre en compte que les entreprises, pour prospérer, elles ont aussi besoin d'un écosystème et que dans cet écosystème, eh bien, il y a besoin de formation, il y a besoin d'infrastructures, il y a besoin de protection sociale et que c'est ça aussi qui fait la compétitivité des entreprises. Il a cité le rapport Gallois, et ça, je pourrais partager ça avec lui. Les partenaires sociaux aussi ont fait, en 2011 ou 2012, je crois, un rapport sur la compétitivité dans lequel on avait pointé un certain nombre des sujets qui sont là, la fiscalité, le coût du travail, le coût d'autres intrants d'ailleurs dans la production, mais où on avait dit aussi qu'il y avait un gros défi autour de ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, d'être capable de porter un modèle productif qui produise de la qualité plutôt que... Pourquoi les Allemands, comme il dit, ont 41% de marge? C'est parce que les Allemands, ils se sont positionnés sur des produits et des services de meilleure qualité. On peut tout à fait faire ça en France. Donc voilà, ce qui me choque dans le discours... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que le coût du travail. Comme voilà, il n'y a pas que le coût du travail, il y a aussi la qualité des produits, la qualité du travail, la meilleure réponse aux aspirations et aux besoins sociétaux. Quand il cite le développement durable, on voit bien que là, il y a un enjeu de développement économique. L'allongement de la durée de vie a un enjeu de développement économique, mais à condition de ne pas considérer que le monde entier, les syndicats, les politiques, les fiscalistes, les inspecteurs du travail, les fonctionnaires, etc., sont vos ennemis. Parce que ça, d'abord, ça crée une difficulté, on en parlera, puisque la CFDT lance en ce moment une grande enquête sur le travail. Alors, qu'on appelle oui, pas le travail. Croyez-vous que les salariés ressentent ça quand on leur explique qu'en gros, ils sont un coût et une complication, parce que le cas du travail, c'est aussi très compliqué. On va recentrer notre merci d'abord de cette réaction. C'était intéressant. Je pense indispensable de vous faire réagir aussi aux propos J'en ai une autre. Catherine Barthélémy. Oui. On ne va pas faire toute la table ronde au discours de Gattaz. Hein, mais non, parce que moi, je proposais qu'on sanctifie Pierre Gattaz. Ah. Alors, le canoniser sur KTO et au Collège de Bernardin, ça serait parfait. En l'écoutant, je me suis dit, moi, quel optimisme.
Quel optimisme ! Parce qu'à la fois, il a l'air d'y croire toujours, alors que rien n'avance. Alors, j'avais justement une position mais tellement diamétralement opposée à la vôtre, je l'ai trouvée tellement optimiste que je voulais juste dire ça et réagir. Bon, alors, je vous remercie. Optimiste. Moi, je pense qu'il était un peu les deux. C'était un peu les deux. Hein. Il vous expliquait à la fois qu'on détestait les entreprises en France, avec quand il allume sa radio dans le taxi en rentrant de Shanghai. Et puis, à la fois, il vous explique que c'est les TPE et les PME qui sont les institutions préférées des Français. Donc, il y a certains... C'est le French paradoxe qu'on retrouve souvent, et y compris dans le discours de Pierre Gattaz. Je voulais qu'on revienne... Peut-être je vais vous redonner la parole très brièvement, Véronique Descaques, pour que donc vous disiez que vous avez mené une étude. Et alors, ça tombe bien parce que l'étude, elle est précisément très liée au sujet de notre table ronde, qui est sur le goût au travail. Pierre Gattaz en a un petit peu parlé aussi, en disant que c'était... Je pense que là-dessus, il y a peut-être un consensus qu'il fallait redonner déjà le goût au travail, ce qui n'est peut-être pas évident dans un pays où il y a un chômage de masse et il n'y a pas de travail pour tout le monde. Alors, quelle est cette étude? Vous allez nous donner en primeur un petit peu de quoi il s'agit. Je crois que c'est quelque chose de très important qui est en train de mener la CFDT. Oui, c'est important parce que je pense que ça n'a jamais été fait encore à ce niveau, dans ce volume. C'est une étude, c'est une enquête, c'est pas une étude, c'est une enquête à ce stade qui commence, qu'on vient de lancer la semaine dernière. On propose de remplir sur Internet, sur le site parontravail.fr, on propose à tous ceux qui travaillent d'ailleurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient précaires, qu'ils soient agents de la fonction publique, contractuels, qu'ils soient travailleurs indépendants, qu'ils soient retraités, c'est-à-dire qu'ils aient travaillé, à tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé, on leur propose de remplir une enquête qui fait 180 questions, alors c'est un peu long. Il faut avoir un petit peu de temps. Ouais, il faut avoir un quart d'heure, mais on peut s'arrêter, on peut le faire en plusieurs fois, il y a des moments ludiques, on peut regarder des vidéos, etc. Allez sur le site Parlons Travail. Et l'idée, c'est effectivement de remettre la question du travail au centre des préoccupations. On parle beaucoup d'emploi, peut-être parce que l'emploi, c'est plus facile de le chiffrer, d'en parler en termes de statistiques, de courbes qui montent, qui descendent, etc. Le travail, c'est plus qualitatif. Donc l'idée qu'on veut mettre en avant, y compris aussi parce qu'on est dans une période de campagne électorale, donc on veut remettre au centre des débats cette question du travail. Donc aujourd'hui, on a déjà, en une semaine, on a 40 000, un peu plus de 40 000 réponses à ce soir, sur les 100 000 qu'on espère avant la fin de l'année. Donc ça prouve qu'il y a un vrai engouement, une vraie envie de la part de tous ces gens qui travaillent, salariés ou non, de parler de leur travail. Alors, justement, c'est pour ça que... Alors, qu'est-ce que ça le donne discours qu'est-ce de Pierre que... Gattaz me fait presque de la peine. C'est que quand on demande aux Français s'ils trouvent de la satisfaction au travail, voire du plaisir, ils répondent à 65% sur 40 000 personnes. Hein, c'est pas rien, hein, c'est beaucoup plus qu'un sondage. Hein, qu'ils y ont souvent ou tout le temps du plaisir. À 80% qu'ils ont le sentiment de faire un travail utile, à 63% qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font, et à 83%, vous entendez, à 83%, ils disent « j'aime mon travail ». Ils ne disent pas « j'aime mon entreprise », comme dit Pierre Gattaz ou le Premier ministre, mais ils disent « j'aime mon travail ». À 76% même, ils disent qu'ils continueraient à travailler, même avec un niveau de revenu, vous savez, on parle beaucoup du revenu universel, si on leur donnait 1 000 euros par mois pour rien faire, eh bien, ils continueraient à travailler quand même. Alors ça, c'est bien. Le revenu universel, c'est pas 1 000 euros par mois. Hein. Non, ça dépend. On parle de peut-être 500 euros. 1 000 euros, il faut... Il y a plusieurs versions. Il faut être la Norvège ou il faut avoir beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Alors c'est vrai que nous, on n'est pas très, très, très fan à ce stade hein, de ce dispositif parce que nous, justement, on croit que le travail, c'est très émancipateur, pour employer un mot CFDT, et que ça participe, notamment parce que ça participe à créer du lien social. Mais alors... Il y a cet aspect très positif négatif, du goût qu'ont les citoyens pour le travail, mais il y a aussi des alertes, c'est-à-dire que... Et ce qui montre d'ailleurs que le travail, c'est pas blanc ou noir, quoi. On peut être dans les 83% qui disent qu'ils aiment leur travail, et puis il y en a quand même 54% qui disent qu'ils ont déjà pleuré à cause du travail. 29% qui dorment souvent très mal. 34% qui disent avoir fait un burn-out. Ça, c'est le chiffre qui nous a le plus étonné à ce stade. Alors, c'est probablement pas burn-out au sens où les médecins le disent, mais des gens qui, à un moment, ont estimé qu'ils étaient plus capables, trop fatigués, trop déprimés pour aller au travail. Un tiers, parmi les peurs, quand ils expriment des peurs, qui disent qu'ils ont peur d'un durcissement de leurs objectifs. Quand on leur demande ce dont ils ont plus besoin au travail, le premier chiffre, c'est 42% qui disent qu'ils ont besoin de reconnaissance. Et que ce qui les met le plus en colère, c'est le manque de reconnaissance de leur travail. Il y en a 45% qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire correctement leur travail.
Et 35%. Et ça, c'est à cause des 35 heures. On va y revenir. C'est possible parce que quand on a négocié les 35 heures, on n'a probablement pas suffisamment négocié la question de l'organisation du travail. On pourra y revenir. 35% qui disent que souvent, voire tout le temps, ils travaillent en dehors de leur temps de travail. Alors, on a fait aussi un petit focus sur les indépendants, puisque je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent aux indépendants ici. Alors, parmi ceux qui sont juridiquement indépendants, il y en a quand même 40% qui, en fait, disent « dans les faits, je ne suis pas du tout indépendant, parce qu'économiquement, je ne le suis pas ». 30% qui se disent dépassés par les tâches administratives. Ça veut dire qu'il y a aussi, peut-être aussi du boulot dans les filières hein, pour aider ces indépendants-là. Ils plébiscitent plus que les salariés lambda, j'allais dire, plus que ceux qui sont salariés, la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a une forte aspiration, un fort besoin de protection. Pourtant, ils ont la pire, ils ont le RSI, c'est ce qui est épouvantable, oui, non ils ont la sécurité sociale, puisque, la maladie, puisque ça c'est universel. Oui. Mais pour en avoir rencontré aussi, moi, dans les espaces de coworking, comme on dit, ces travailleurs indépendants, ils ont une forte aspiration à être protégés, à avoir accès, et c'est le dernier point, à la formation professionnelle. Ils ressentent encore plus que les salariés le besoin urgent d'être formés. Alors, je donne ces chiffres rapidement. Voilà, alors deux mots sur les... Vous avez vu qu'on a 180 questions, moi, je ne vais pas faire les 180. Ce que j'en tire à ce stade, en attendant évidemment que l'enquête se poursuive, c'est que d'abord, il y a beaucoup d'attentes autour du travail, et c'est probablement pour ça que se mêlent le plaisir, l'investissement au travail, y compris on n'est pas à travailler en dehors de son temps de travail, etc., qui sont plutôt la norme, mais aussi beaucoup d'anxiété. Et les réponses sur le burn-out, les gens qui pleurent, le sommeil, etc., quand même, doivent nous interpeller. Et quand se font jour des insatisfactions, on voit que c'est très violent, quoi. C'est très brutal. Donc moi, ce que j'en tire à ce stade comme conclusion, et pour nuancer aussi ce qui vient d'être dit, c'est que d'abord, cette enquête, elle montre que le travail ne s'accommode pas des visions simplistes qu'on en a souvent, et particulièrement autour des 35 heures, quoi. Quand on interroge les gens sur est-ce que vous voulez travailler plus, est-ce que vous voulez travailler moins, qu'est-ce que vous pensez des 35 heures, il y en a très peu qui disent qu'ils voudraient travailler plus, 10%. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas réfléchir, discuter sur l'organisation de leur travail. C'est d'ailleurs un des éléments que... Alors, on aime beaucoup le travail, mais on ne veut pas travailler plus. A trouvé très positif dans la loi, dite El Khomri, dans la loi travail, c'est justement elle renvoie au plus proche du terrain, dans les entreprises, cette question du temps et de l'organisation du travail. Et ils disent que la question des 35 heures, ce n'est pas le sujet. Je trouve ça vachement mature, enfin, excusez-moi, mais très mature comme position. Les salariés disent, mais les 35 heures, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on s'organise, comment on concilie mieux sa vie professionnelle et sa vie privée, comment peut-être on pourra épargner du temps pour organiser mieux tout au long de sa vie, pour gérer mieux son temps de travail tout au long de sa vie. Des moments, on peut travailler plus, d'autres moments, on a besoin de travailler moins, etc. Et moi, c'est une des réponses peut-être que je veux retenir, c'est de dire, bon, il faut pas faire dans la caricature, il faut... pas se focaliser sur des faux sujets. Il faut négocier l'organisation du travail. Et la question de l'articulation des temps, c'est vraiment une question qui va devenir centrale aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on aspire à une meilleure articulation de ses temps privés et de ses temps professionnels que pour autant on n'aime pas son travail, puisque encore une fois, très massivement, les gens ils disent qu'ils aiment et qu'ils s'épanouissent au travail. Merci beaucoup, Véronique Descaques. C'est tout à fait passionnant, cet audit. Donc là, ça va être publié quand, tout ça? Vous pouvez, en même temps que le site parlontravail.fr est ouvert et vous pouvez remplir vos questionnaires, vous voyez les réponses en direct, c'est-à-dire que vous pouvez consulter... ou pour toutes les questions, ou même vous pouvez choisir le thème, le temps de travail, la relation avec la hiérarchie. Vous consultez les réponses. Donc, ça va encore durer quelques mois, et je vous dis, on espère pouvoir faire une restitution début de l'année prochaine, une restitution brute, une restitution qu'on pourra classer par taille d'entreprise, les petites, les moyennes, les grandes, par genre. En tout cas, merci beaucoup et de nous avoir livré la primeur, les premiers résultats de cette étude. C'est très intéressant, je trouve, d'avoir un audit comme ça de ce que représente, et on est au cœur de notre sujet sur la valeur travail, comme on dit maintenant, ou le goût au travail. Alors, je voulais peut-être demander à Georges Sanraud, qui est j'ai une certaine proximité, on travaille dans le même secteur, celui des médias, qui est un secteur très difficile, qui traverse une crise, avec beaucoup d'entreprises qui ont des décroissances à deux chiffres, depuis plusieurs années, et une mutation complète, moi c'est ce que j'ai pu observer dans ce secteur du travail, au fait, de la valeur travail, c'est-à-dire qu'avant, dans les journaux, il y avait beaucoup de salariés, il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup plus de freelance, de pigistes, d'indépendants, d'intermittents. Alors,
Pour certains, c'est une forme de précarisation, pour d'autres, une forme de liberté. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous êtes organisé dans le groupe Bayard pour accompagner cette mutation, on va dire cette crise et cette mutation un peu forcée? Est-ce que le salariat, c'est encore le travail? C'est un peu la question qu'on se pose. Elle a été un petit peu abordée par Pierre Gattaz, d'ailleurs. Oui, alors, on parle de la fin du salariat, mais il y a quand même une envie d'être salarié. Enfin, il faut quand même raisonner. Personne n'est pigiste ou indépendant par choix. L'écosystème dont on parle, dont on a parlé tout à l'heure, continue de se développer. Quand vous avez des entreprises de médias qui travaillent sur de plus en plus de supports différents, elles sont obligées aussi d'intégrer des métiers nouveaux et, je dirais, des métiers qui n'ont pas toujours les mêmes pratiques, je dirais, que les métiers plus traditionnels du journalisme. Alors, les journalistes, bien sûr, dans une entreprise comme Bayard, il y a des journalistes... Alors, il n'y a pas que des journalistes chez Bayard. Non, il n'y a pas que des journalistes. Il y a des journalistes et des non-journalistes. Quand on est sur les journalistes, on va avoir des rédactions en chef, des journalistes en pied, on va avoir des pigistes, des journalistes contractualisés, des pigistes contractualisés. Et dernièrement, la profession a signé un accord sur la formation pour les pigistes, qui était, à mon sens, un grand progrès. Parce que plus vous allez gérer un système, un écosystème qui se dilate, plus vous devez être aussi en responsabilité par rapport à des gens avec lesquels vous n'avez pas forcément une relation quotidienne. Les correspondants aussi à l'international ont besoin aussi d'une animation particulière et, je dirais, ont des statuts aussi parfois très différents. Vous avez aussi des catégories nouveaux comme des auteurs. Alors les auteurs, parfois, n'ont pas envie d'être salariés. Ils sont auteurs, mais ils sont des contributeurs qui peuvent devenir très importants dans un titre, quel qu'il soit. Et vous allez avoir aussi une frontière un peu floue entre le dedans et le dehors de l'entreprise, avec ce qu'on va appeler les contributeurs. Le digital ouvre la contribution. Alors, pour une entreprise de presse, de médias, on se doit de gérer cette grande diversité de statuts et, je dirais, de contributions qu'on trouve à l'intérieur de notre écosystème. Alors, vous avez parlé des journalistes, et il y a aussi les non-journalistes. Vous avez des commerciaux salariés, vous avez aussi des VRP dans des entreprises comme les nôtres, et vous avez aussi des gens qui travaillent dans la filière. Il faut être aussi en responsabilité par rapport, je dirais, à des prestataires très structurants par rapport à nos actions. Donc c'est vrai que c'est relativement complexe. La simplification, bien sûr, on la recherche, je dirais, au quotidien, mais on ne doit pas faire non plus d'excès de simplification. Il faut pouvoir être à l'écoute de diversité d'attentes par rapport à l'entreprise et par rapport à des modalités d'implication face à l'entreprise. Donc, comment le faire? À l'intérieur d'un groupe, j'aime pas trop la notion de groupe parce qu'on pense tout de suite puissance, mais d'un écosystème multiple à différentes filiales, vous pouvez vous trouver confronté à des conventions collectives très différentes, à des histoires d'entreprise très différentes, parce que vous allez faire l'acquisition d'une entreprise qui n'a pas du tout la même tradition sociale que la vôtre. Là, nous essayons de travailler sur ce que nous appelons un socle social minimum qui permet une mobilité entre les structures, mais qui garantisse aussi à chaque structure, dans le pays dans lequel elle se trouve aussi, je dirais, sa singularité et son ancrage. Donc c'est vrai que le sujet est complexe, mais il est important quand même d'avoir 3-4 grandes lignes, je dirais, de l'action, et la mobilité à l'intérieur du groupe est pour nous quelque chose de prioritaire. Donc il faut le rendre possible. Très bien, je vous remercie beaucoup, parce que je pense qu'effectivement c'est une entreprise assez emblématique, avec la diversité de ses statuts tout à fait incroyable. Et effectivement, ça fait partie du rôle de l'entrepreneur pour donner goût au travail, qui est quand même un cadre, et avec les partenaires sociaux, qui est quand même un cadre, quel que soit le statut des gens qui travaillent, qui vendent leur force de travail pour l'entreprise, que ce soit des auteurs, des pigistes, on a vu tous ces statuts très différents. Des intermittents du spectacle. Alors, je voudrais, Catherine Barthélémy, vous avez réagi, Saint-Gattaz, je voulais savoir un petit peu, quelle est votre réaction maintenant est-ce que vous avez été surpris ou pas avec l'expérience que vous avez au sein de votre entreprise où il y a plus de 1000 collaborateurs
sur l'étude qui est en train de mener, les résultats que nous donnait Bénédicte de Scac. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, fait bondir, ou finalement ça correspond à ce que vous voyez? Je trouve ça extrêmement emblématique du débat français. Mon entreprise est une entreprise privée qui vit dans un monde incroyablement concurrentiel. Et donc, notre première préoccupation, c'est de vivre et de se développer. Nous sommes une société de services. Pour vivre et se développer, il faut s'appuyer sur les hommes. Il n'y a que les hommes. 70% de mon temps consiste à mettre les gens à la place où ils seront efficaces, heureux et efficaces. Et donc, le travail répond à... Nous sommes un groupe humain qui doit trouver son plaisir et son épanouissement dans le travail, parce que c'est le cas, mais dans un monde incroyablement difficile et concurrentiel. Et tout ce que dit Madame, c'est la vision du travail vue par la fonction publique. Et non, mais je le dis parce mais que pourquoi, mon analyse. Attendez, les salariés qui. Je m'explique. Je côtoie de près la fonction publique pour participer à un organisme public. Et je me rends compte que dans les services publics, l'argent n'existe pas, n'est pas une contrainte. Certes, il y a des budgets, certes, il faut rester dans des cadres, mais l'argent n'est pas la contrainte que vit la petite entreprise. Et donc, qu'est-ce qui devient la contrainte ? Le bonheur du salarié. Le bonheur du salarié. Et donc, il y a des tensions. Dans une famille, il n'y a pas de tension. On pleure au boulot. On ne pleure pas dans sa famille. Mais c'est la vie. C'est la vie. Alors, est-ce qu'on veut un monde parfait, le monde du travail, qui soit un monde parfait où tout soit idéal? C'est pas possible. Ça n'est pas la vie. Oui, mais vous voyez que l'optimiste chez Gattaz, vous voyez que le pessimiste, puisque toute la première partie, on vous dit 73%, je crois, des gens sont très contents dans leur travail. Mais bien sûr que les gens sont heureux. Il y en a 29% qui ont pleuré une fois, donc c'est 54%. Bon, ça arrive. Le boulot, c'est tout à fait essentiel. Mais ce qui est très important, et pourquoi je réagis comme ça, c'est que le président de la République est un fonctionnaire, que tous les ministres sont des fonctionnaires, que tous les députés sont des fonctionnaires, les sénateurs, que tous les présidents de région sont des fonctionnaires, que tous les maires de toutes les communes sont des fonctionnaires. Je caricature à peine. Et donc, nous sommes dans une vision global, vous seriez d'accord publique. Que vous ayez un salarié qui aille faire de la politique et qui revienne 3 ans après ou 4 ans après la fin de son mandat, s'il a été... C'est ce qui se passe dans la fonction publique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fonctionnaires. Mais bien entendu, les gens peuvent se mettre en disponibilité pour faire. On a là un véritable problème. Et si nous avons tant de problèmes, à mon avis, en France, avec le monde de l'entreprise... Une non-reconnaissance de l'entreprise, une non-reconnaissance de la réussite, une non-reconnaissance de la compétition. On ne veut pas de compétition. On veut pouvoir avoir l'accès pour tout le monde, à tout, l'égalité partout. C'est une vision fonction publique totalement incompatible avec l'entreprise privée qui vit dans une compétition terrible. C'est pour ça que je réussis. C'est pour ça que je réagis, pardon, à votre sondage. C'est la fin si du sondage qui vous a agacé. Pour but de créer un monde d'entreprise parfait où les gens s'entendraient, où il n'y aurait aucun conflit, où il n'y aurait aucune tension, ça n'existe pas. Oui, mais c'est le rôle d'un syndicat, d'un grand syndicat de salariés, que de savoir ce que pensent les salariés. C'est pas... d'améliorer leur situation. Quand on nous dit que 42% de salariés disent être en colère par manque de reconnaissance, il y a quand même un sujet. Est-ce que votre fils, si vous en avez un, trouve que vous êtes toujours très reconnaissant pour le boulot qu'il fait? C'est la vie, madame. Oui, c'est la vie. D'accord, c'est la vie, mais à ce moment-là, on ne croit pas dans le progrès social. Or, nous, à la CFDT, on croit dans le progrès social. Et on croit que quand les salariés vivent des difficultés, il faut les identifier mais et essayer France, de leur apporter des réponses. On a poussé de la même manière que quand une entreprise connaît des difficultés.
on souhaite. Alors, être on va attendre que Madame dirige le MEDEF et puis que vous preniez la place de Laurent Berger pour ça va être chaud. On va laisser la parole à Bruno Lafont. On va prendre un peu de hauteur. On va partir sur une perspective un peu internationale. Là, on a eu un débat très franco-français. Vous n'avez pas l'impression, vous voyez, cette petite passe d'armes, parce qu'en fait, vous êtes d'accord sur beaucoup de choses, je pense beaucoup plus. Je voulais savoir, Bruno Lafont, un petit peu, je le disais, vous êtes donc coprésident d'un groupe franco-suisse. Vous connaissez beaucoup de pays en développement, pays matures, les États-Unis, etc. Est-ce qu'on est un peu hystérique avec ces questions ? On n'est pas un peu hystérique avec ces questions de travail et tout ça en France, les 35 heures, les 75% première question. Et deuxième question, est-ce que c'est vraiment la vision que nous a décrit Pierre Gattaz, qu'ont les acteurs étrangers par rapport au marché du travail en France là, aujourd'hui, il y avait le procès des chemises arrachées d'Air France. Est-ce que c'est ça uniquement, les visions qu'ont les étrangers de la France? Oui, c'est pas ce que vous avez préparé dans vos fiches. Non, je n'ai rien préparé du tout. J'étais en train de Non, mais je voulais réfléchir. Vous faire réagir là, au petit... Oui, puis après, je vous laisserai. Écoutez, non, je suis... Moi, je pense que on a besoin de s'exprimer. Je crois que les entreprises ont besoin de s'exprimer. Il est bon que tout le monde s'exprime et s'exprime avec, pas forcément avec une langue de bois. Donc, on est servi ce soir. Jusqu'à présent, elle témoigne de ça. Et après tout, c'est riche et c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui fait que les Français vont gagner dans une bataille qui est une bataille mondiale, qui est une bataille pour, effectivement, se répartir la croissance, conserver au moins les positions qui sont les positions de l'Europe et, effectivement, mettre à profit tout le potentiel qui a été constitué à la fois par les Français et par les Européens pour faire en sorte qu'effectivement on se sorte décemment. C'est-à-dire, si on ne fait rien, on a de grands risques, pas seulement de rester comme on est, mais de s'appauvrir. Si on bouge, eh bien, on a une chance, effectivement, que nos enfants aient envie d'investir en France, aient envie de s'investir, de travailler, de réussir en France. Et ça, c'est quand même ce qui est très important. Bon, alors maintenant, je vais vous donner un tout petit peu le cadre d'une entreprise qui est mondiale et qui, effectivement, a un peu toutes les perspectives et peut-être parler un peu des pays émergents, parce que c'est ce monde-là qui est devant nous, c'est ce monde-là qui va croître. Pierre Gattaz a raison de dire qu'il y aura 1 milliard de plus d'Africains dans 40 ans et que c'est le seul continent qui va avoir une croissance démographique aussi importante dans les 40 ans qui viennent. Je voudrais dire très peu de choses. Il y a une grosse différence entre les pays émergents et les pays développés. Et j'ai été très habitué à les voir parce que je voyageais à peu près une semaine sur deux. Et j'ai rencontré entre 5 et 10 000 collaborateurs par an. Puis je partage l'opinion de madame qu'il n'y a pas de réussite de l'entreprise sans la réussite de toutes ses équipes. Et pour nous qui sommes un business extrêmement local, des équipes qui sont parfois effectivement très éloignées et qui partent de pays qui sont dans les pays émergents. Et qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent? C'est généralement une économie très jeune, des systèmes éducatifs pas forcément encore très développés, une croissance forte et beaucoup de volatilité, parfois du chaos. C'est-à-dire que ça monte, ça descend. On n'est pas assuré que tout va être bien toujours. Et je l'ai vécu, nous avons vécu 5 ans en Turquie. Il y a 25 ans, c'était pas si simple. On s'est payé 2 crises financières. Et on voit qu'à la crise financière, j'ai vu effectivement des choses que moi, occidental, j'avais jamais imaginé de voir. Alors, un collaborateur du groupe dans un pays émergent, en quoi il est différent et en quoi il est semblable? En quoi il est différent? Il est obsédé de croissance. Obsédé. Et il ne pense qu'à la croissance. Et mais à la croissance de quoi? De l'entreprise? La croissance de l'entreprise, la croissance de son pays, la croissance de son revenu, la capacité pour ses enfants de devenir plus que ce qu'il a été. Il y a vraiment une vision de décollage. Donc une énergie très forte, une capacité de prendre des risques plus fortes, un désir d'apprendre très fort. Alors vous allez me dire, les Français ne sont pas comme ça. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je note différence entre pays développés, pays émergents. Parce que je pourrais vous faire la différence entre les Français, les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais. C'est quelque chose qui a tendance à se réduire, ce désir d'apprendre,
le désir d'apprendre a progressé dans les pays développés dans les 15 dernières années, et c'est largement lié à Internet, et c'est largement lié aussi à l'internationalisation de nos groupes, où parfois des unités de pays développés ont découvert que dans des pays émergents, ils étaient arrivés à faire mieux que ce qu'ils faisaient en France ou en Amérique ou en Allemagne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun quand même entre tous ces collaborateurs? C'est ça qui est quand même intéressant. C'est que généralement, ils sont attachés aux mêmes valeurs. Si on arrive à trouver quelques valeurs universelles et qu'effectivement, on est capable de les respecter, ce qui est fondamental, mais les valeurs de respect, les valeurs d'intégrité, les valeurs de respect de l'homme et de la femme, mais aussi de respect de sa parole aussi. La façon de mettre l'entreprise en premier dans ses choix et pas soi-même, etc. Tout ça, c'est des choses, visiblement, qui prennent une valeur universelle, qui sont même presque plus importantes pour ses collaborateurs, qui sont arrivés dans le groupe généralement plus tard, que pour ceux qui y étaient depuis le début, qui considèrent que c'est presque un acquis. Mais en fait, l'acquis, il est à revisiter. Quand je suis devenu président de mon groupe, j'ai voulu leur donner en fait une vie un peu forte à ces valeurs, et j'ai mis la priorité sur la sécurité, c'est-à-dire le nombre d'accidents, la sécurité au travail. On est dans une industrie lourde et il y a des accidents. Et puis on est dans une industrie lourde et on transporte beaucoup, il y a des accidents non seulement dans les usines mais sur la route. Et notre objectif, c'est de se dire, si on respecte les gens, si on met l'homme en premier, on va s'occuper de sécurité. Et on a effectivement fait un parcours sur la sécurité qui a été fédérateur et sur lequel effectivement tous les collaborateurs du groupe se sont engagés. Donc les gens sont attachés à des valeurs et ils sont très attachés à l'entreprise à cause de ça. Et c'est vrai qu'au moment de la fusion, une des douleurs qui accompagnait cette fusion, c'est de se dire, est-ce que ça sera comme avant? Et c'était un des points finalement les plus sensibles pour les collaborateurs. Généralement, ils aiment leur travail, tous en commun, et généralement, ils ont des attentes très fortes, très fortes. Et on essaye de faire en sorte qu'ils expriment leurs attentes. On ne peut pas satisfaire toutes leurs attentes. Le seul contrat vraiment fort qu'on a avec eux de manière universelle, c'est de dire, écoutez, nous, on s'engage à vous faire réussir, et puis, de votre côté, nous, on attend que vous donniez le meilleur de vous-même. Et en gros, ça, c'est des paroles que tout le monde peut comprendre. Mais après ça, évidemment, personne n'est parfait, et je ne vous dis pas qu'on n'a pas traversé des épreuves, ici ou là, mais on n'a pas eu plus d'épreuves en France qu'ailleurs. Juste un mot, puisque vous êtes franco-suisse maintenant. C'est pourquoi il y a une telle différence? C'est hallucinant qu'on voit le taux de chômage, des cultures aussi différentes du travail entre deux pays qui sont très proches. Écoutez, je crois que On n'en parle jamais. J'ai pas fait une enquête complètement détaillée. Mais qu'est-ce qui vous frappe? Mais je peux vous dire, effectivement, le droit du travail suisse, c'est épais comme ça. C'est vrai, ça, les 60 pages? C'est complètement vrai. Et ça. Et ils ont réussi à faire quelque chose de très condensé pour des gens qui votent toutes les 4 semaines sur un... Il pourrait y en avoir 15 000, oui. Et la deuxième chose, je pense que ça repose sur une confiance dans le système. Ça ne veut pas dire que les gens sont sympas, forcément, et sont généreux, mais ça veut dire qu'au moins, ils respectent la parole donnée. Et ça veut dire aussi que le système fonctionne. Et là, il y a un rapport, si vous voulez, éducation-entreprise, proportion, comme le disait Pierre Gattaz, d'industrie, relié au service et effectivement tout ce qu'il raconte sur l'écosystème, tout ça, ça fait effectivement une très bonne mayonnaise dans un pays qui est plus petit, mais qui a exactement les mêmes challenges, puisqu'ils ont un PNB par habitant qui est PIB par habitant qui est plus élevé que le nôtre, et donc qui devrait théoriquement avoir des problèmes de compétitivité encore plus importants que les nôtres. Or, il y a une industrie très importante, contrairement à l'image qu'on a. Il y a une industrie, il y a des produits de très haute qualité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec madame qui disait que l'Allemagne avait fait le choix de la qualité. J'ai vécu en Allemagne, j'ai travaillé en Allemagne. C'est vrai qu'ils ont une attitude par rapport à la qualité, mais que les Français sont capables de faire des qualités extraordinaires, et que dans une voiture française, allemande, vous avez énormément de composants français, qui sont également vérifiés par les Allemands et qui sont de très haute qualité. Donc moi, je suis plutôt pour, si vous voulez, dire les Allemands et les Français doivent travailler ensemble, parce que franchement, ils sont faits pour travailler ensemble dans cette lutte. On est capable, mais il y a des secteurs d'activité où ce n'est pas la stratégie qu'on a eue. Je pense à l'agroalimentaire, par exemple. Je crois qu'il faut regarder un peu plus dans le détail, mais c'est vrai qu'on peut dire... Il y a eu beaucoup de rapports qui ont dit qu'un des problèmes de l'industrie française, c'est qu'elle n'était pas assez haut de gamme, qu'elle était encore sur le moyen de gamme, et c'est là où ça a beaucoup souffert, quoi.
Enfin bon, c'est, oui. On sort un petit peu de notre sujet. Oui. Alors, on va y revenir. Je voudrais faire réagir Georges Sandro sur quelque chose que disait Bruno Lafont sur l'évolution. C'est-à-dire que, en fait, on se remet en marche, on reprend, si j'ai bien compris, un peu des réflexes dans des pays matures comme le nôtre, un peu des réflexes de pays en développement, on va dire, avec la volonté d'apprendre, notamment avec Internet, etc. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ça fait longtemps que vous êtes au groupe Bayard, que vous dirigez des équipes. Comment est-ce que vous voyez passer les générations par rapport au goût du travail? Est-ce que ça change beaucoup? Un jeune qui arrive aujourd'hui, est-ce qu'il a dans la tête, il est formaté à peu près de la même façon? Ou j'imagine que non. En quoi il est différent de celui que vous embauchiez il y a 10 ans ou il y a 20 ans? Alors, chaque génération a tendance à dire que la suivante est beaucoup moins bien, mais vous avez... vision en tant qu'employeur Je pense que d'abord, il y a un goût naturel pour le travail. Les gens ont envie de travailler. Il ne s'est pas perdu, s'est développé, il est différent. Je pense que les jeunes générations vont être peut-être parfois plus exigeantes sur la manière dont cela doit se passer. Vont supporter un peu moins l'empilement hiérarchique qu'on peut avoir dans des sociétés, dans des entreprises qui ont vieilli. Vont être beaucoup plus exigeants sur la notion de projet, de groupe agissant en transversalité, parce qu'ils ont des modèles qui correspondent à leur génération. Ce n'est pas un hasard si on parle de la créativité des pays émergents. Il y a des livres là-dessus qui montrent que cette créativité est très forte dans des pays comme l'Inde, qui vivent des contraintes différentes, qui ont des types d'adaptation avec plus d'urgence. Et cette nouvelle génération, elle est née dans le digital. Et le digital a changé ses modes de pensée et son horizon. Donc là, peut-être parfois... Mais ils ont encore le goût au travail, vous confirmez. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand on sort d'une grande école, maintenant, on va aller creuser des puits, aller dans les ONG, mais plus personne ne veut passer sa vie chez Lafarge de le CIM ou une PME. C'est pas... Dans ce que vous c'est dites, un peu caricatural. Vous êtes en train de parler d'entreprises différentes. Vous parlez d'un groupe industriel, vous parlez d'une ONG qui est aussi une entreprise avec une mission particulière. Et je pense qu'on aborde quelque chose qui est important. On va dire que c'est la notion de faire carrière qui est peut-être un peu différente, non? La notion de faire carrière peut changer, mais ça dépend. Je pense que dans les générations, dans une même génération, vous avez des profils différents. Par contre, ce qui a changé, c'est peut-être une attente vis-à-vis de l'entreprise et de sa direction. C'est quoi la mission de l'entreprise? C'est quoi son utilité sociale? C'est quoi son inscription? Je vais agir et mettre toute cette énergie, pourquoi? Alors, peut-être pour un épanouissement personnel, pour un progrès aussi intellectuel, pour, je dirais, même les plus formés ont le sentiment qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Et ils vont demander à l'entreprise de continuer de les accompagner sur cet apprentissage. Catherine Barthélémy, deux mots sur l'évolution. Les jeunes que vous embauchez aujourd'hui, en quoi ils sont différents de ceux d'il y a 10 ans ou 20 ans par rapport au goût du travail? Dans mon métier, nous employons plus de 60-70% de personnel technique, mécanicien, hydraulicien, électromécanicien. Et là, on n'en trouve plus. C'était une des plaies dont on parlait, et je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Hein, Alors, moi, j'ai commencé à bosser il y a 40 ans. Il y avait des jeunes qui avaient commencé chez nous en apprenti, et le dernier, on l'a emmené à la retraite. Il était devenu le patron technique chez nous. Cette race-là, elle a disparu. Et donc, on a un mal de chien à recruter. Ce que notre société fabrique beaucoup, c'est ce que j'appelle les endives, c'est-à-dire que c'est élevé sur couche à la lampe électrique. Alors, c'est quoi les endives? Expliquez-vous un tout petit peu. Ce sont des jeunes qu'on a poussés trop loin dans des études générales, qui sont laissés sur le sable et qui ont été plutôt élevés à rester sur leur vie, écouter de la musique. C'est pas drôle du tout. C'est les 150 000, une partie des 150 000 décrocheurs. C'est absolument dramatique. C'est des gens qui quittent la fac au bout d'un an. Parce que parallèlement, nous crevons, nous, de ne pas trouver de métier manuel. Alors, ceci mis à part, quand on en trouve, ils ont le même goût au travail, la même ambition. Voilà. Il y a un déphasage. Je crois qu'on a produit
beaucoup de jeunes qu'on a emmenés dans des voies sans issue. En les Il y a un problème de l'offre et la demande sur le marché du travail. Dramatique. Vous confirmez, Véronique Descac, que c'est quelque chose sur lequel travaille beaucoup la CFDT dans le... C'est quelque chose sur lequel travaillent les partenaires sociaux. Le plan 500 000 qui est en cours là, c'est bien pour répondre à ça. C'est pour la première fois pratiquement un plan qui se décline dans les territoires et qui a pour objectif de mettre... l'activité économique en face de la formation nécessaire pour les demandeurs d'emploi, pour essayer de faire matcher les besoins de compétences avec les compétences... Alors, ça a été décentralisé, hein, par rapport à tous les... Voilà. C'est pas la première fois qu'il y a des plans comme ça. C'est pas la première fois qu'il y a des plans comme ça, mais depuis la réforme de la formation professionnelle de 2014, c'est la première fois qu'on met en place une espèce de... ce qu'on appelle une gouvernance quadripartite, partenaires sociaux, régions, État... et que cette gouvernance, elle se décline jusque sur les territoires. Il y a même certaines régions qui la déclinent jusque sur les bassins d'emploi pour essayer justement de faire matcher les besoins de compétences avec les compétences et puis les métiers manuels. Il faut absolument orienter tous ceux qui le veulent vers les métiers manuels. C'est vrai que l'appareil de formation, en ce sens, les formations disponibles peinent peut-être à... Mais là aussi, les entreprises probablement ont un rôle important à jouer. Non, les familles. Les familles, parce qu'on a tellement mis dans la tête des gens qu'il fallait avoir un bac que plus aucun parent, et je me mets dedans, n'a souhaité que les enfants en quatrième aillent faire de l'apprentissage. On essaie de les pousser le plus loin possible. C'est un peu vrai, mais pas que. Il y a beaucoup aussi d'enfants qui galèrent et qui seraient bien contents de trouver un travail, y compris manuel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui... moi, je vois beaucoup de jeunes qui galèrent à créer leur propre petite entreprise en tant qu'entrepreneur dans les services à la personne pour aller faire du jardinage ou du ménage chez les particuliers. Je pense que si on leur offrait une formation de qualité vers un emploi de ceux que vous décrivez, je pense qu'ils s'investiraient. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas, c'est une des difficultés du marché du travail français, on n'arrive pas à faire matcher tout ça. Les besoins en compétences, les demandeurs d'emploi et les formations adéquates. Mais si je peux me permettre de réagir sur un mot que vous avez utilisé, sur une chose que vous avez dite sur la carrière. Les gens, les jeunes, est-ce qu'ils ont ou pas les mêmes ambitions en matière de carrière? Moi, une des choses qui m'a le plus marquée dans les résultats provisoires, puisque l'enquête, elle fait que débuter sur les aspirations des salariés ou des... plus globalement, de tous les gens qui travaillent, quel que soit leur statut, en matière de carrière, il y a plus de la moitié des gens maintenant qui disent qu'ils aimeraient changer de métier au cours de leur carrière. Pas seulement changer d'entreprise ou changer de statut, changer de métier. Et je trouve ça extrêmement encourageant. Ça veut dire que le message est bien passé, que pour garder son employabilité, il faut aussi savoir évoluer, changer de métier, et que finalement, les gens se rendent compte qu'en prenant ce risque, ils peuvent aussi y trouver de la satisfaction. Moi, j'aime bien ce que vous dites dans la notion de prise de risque. C'est une prise de risque que peut avoir le salarié, que l'entreprise doit accompagner. On ne transformera pas toute la population en entrepreneur, mais on peut être aussi entrepreneur de son prochain métier. Bruno Lafont, vous vouliez réagir? Oui, je voulais aller dans le même sens. Apparemment, enfin, c'est ce que les scientifiques ont l'air de dire, c'est que la multiplicité des formations successives dans la vie sont très, très... encourageantes à la fois pour le degré d'autonomie, le degré de satisfaction, effectivement. Donc, pour avoir le goût du travail, ça passe par la formation et il ne faut pas s'ennuyer, en fait. Ces formations répétées, non, c'est d'abord, c'est aussi des excitations de l'esprit. Voilà. Et qui peuvent d'ailleurs se retrouver tout à fait dans le travail manuel. C'est-à-dire, un travail manuel vaut autant que n'importe quel autre travail. J'avais une autre question, moi, c'était plutôt sur l'éducation, parce que je crois que le goût du travail, il naît à un moment dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le goût du travail? Quelque part, on l'a acquis à un moment donné de sa vie. Et je pense que là, il y a une réflexion à faire. Alors, vous sous-entendez que ce n'est pas à l'école qu'on apprend beaucoup le goût non, du travail? Non, je ne sous-entends pas. Je n'ai pas analysé, mais quand effectivement, je peux observer... des choses qui me sont très proches, mais je pense que c'est probablement un sujet à investiguer par rapport au travail, parce que c'est la relation de l'homme au travail, elle commence finalement assez tôt. Et quand on interroge les gens, c'est finalement comment ça s'est passé dans leur vie, ça serait aussi intéressant. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des stagiaires des écoles qui viennent? Est-ce qu'il y a un lien avec l'éducation nationale? Comment ça se formait avec les entreprises? On est encore sur deux planètes complètement différentes. Ce que je voulais évoquer avec madame, c'est que moi, j'ai été présidente de mon syndicat professionnel et nous n'avions qu'une obsession, susciter des formations. Et donc, nous avions des relations avec, et nous avons toujours d'ailleurs des relations avec...
tous les lycées professionnels et nous nous engagions à prendre des gens en stage. Sauf qu'il n'y avait pas d'élèves dans les classes. Mmh. On avait beau susciter des formations. Oui, donc là, c'est le problème de la filière du lycée classe, professionnel. Qui et ces métiers n'attirent pas. Mmh. Ceci étant, il y en a toujours quelques-uns. Alors, il y a des classes de 6, de 7. Nous les prenons. Alors, nous déployons beaucoup d'énergie pour former des jeunes très tôt. C'est ça qui fait... Alors, Jean Sanrou, vous, c'est un peu l'inverse, parce que les écoles de journalisme, il y en a, je sais pas, une quinzaine. Ils croulent. Tout le monde veut être journaliste. Il y a très peu d'élus. C'est un peu l'inverse. Et les journalistes sont de mieux en mieux formés. Mm-hmm. Et vraiment, on n'a pas de problème, on a un problème de capacité d'accueil, mais il y a des gens vraiment talentueux. On a les deux... Dans ces professions-là. Vraiment, les c'est deux... C'est culturel, notre problème. Oui, oui. Ouais. On a les deux problèmes du marché du travail, de l'offre et la demande, qui ne sont pas adaptés. Non. Trop d'apprentis journalistes, pas assez chez vous. Je voudrais revenir sur un point, là, c'est les stagiaires. Parce que nous, on commence les stages très tôt, puisqu'on est très, très ouvert au stage de troisième. Mmh. On a un secteur de presse jeunesse, donc c'est tout à fait logique qu'on accueille nos lecteurs. Et ce qui est assez intéressant dans tous ces jeunes enfants de troisième qui arrivent dans l'entreprise, souvent, c'est la première fois qu'ils rencontrent une entreprise et qu'ils passent une semaine dans une entreprise. Et leur perception change totalement. Parce qu'ils s'aperçoivent que une entreprise, c'est une cellule vivante, il y a des gens qui se parlent, qui échangent. Et là, je crois qu'il faut qu'on s'interroge. Entre l'image qu'on projette des entreprises, et on a une responsabilité en tant que média, quand on parle des entreprises, quand on parle du travail... Oui, on s'est fait tacler par Pierre Gattaz. On parle souvent des difficultés. On parle aussi des rémunérations des dirigeants. On parle de choses qui choquent, qui peuvent choquer les enfants. Et quand eux découvrent... L'entreprise, ils s'aperçoivent que c'est un milieu beaucoup plus vivant, beaucoup plus humain, dans lequel on peut être bien et dans lequel on pourrait s'épanouir. Vous confirmez ça, qu'il y a quand même un problème de perception de l'entreprise, sans doute pas du travail en entreprise, mais de perception de ce qu'est l'entreprise dans les médias ou à l'école. Pourquoi est-ce qu'on aime moins nos entreprises peut-être que dans d'autres pays? Mais je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est un lieu commun, ça, qui n'est pas vérifié. Quand on regarde ce que disent les salariés, ils disent qu'ils aiment leur travail, qu'ils aiment leur entreprise, qu'ils sont plutôt fiers, qu'ils aiment en parler. Il y a des questions aussi sur est-ce que vous, donc, est-ce que vous savez dire ce que vous faites quand on, quand on vous demande à votre, dans la famille, dans votre famille, quel est votre métier, qu'est-ce que tu fais. Je sais le dire, je sais l'expliquer, j'en suis plutôt fière. Après... Mais il y a quand même la... Ils ne sont pas encore comme les jeunes. Ils sont intimidés, plutôt. Oui, ils ne connaissent pas. Ils sont probablement intimidés. J'avoue, j'ai du mal à vous répondre. Parce qu'en même temps, les jeunes, ils aspirent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils aspirent à devenir salariés. Les jeunes, la plupart du temps, ils disent... quand je m'installe en auto-entrepreneur, c'est plus par un peu obligation pour créer mon propre job que parce que j'aspire à être complètement autonome. Et d'ailleurs, encore une fois, les professionnels autonomes, les gens qui travaillent sur le numérique, etc., quand on les rencontre, eux, ils nous disent, moi, bon, OK, l'autonomie, finalement, je peux y trouver mon compte, mais j'ai besoin de confronter mes pratiques professionnelles avec d'autres. Et alors, en dehors de ce que j'ai dit sur la formation et la protection sociale à laquelle ils aspirent aussi, ils disent aussi, j'ai besoin de coopération avec d'autres et j'ai besoin de confronter mes pratiques professionnelles avec d'autres. Pas forcément dans le cadre d'une entreprise juridique au sens où on l'entend aujourd'hui, mais quand même dans le cadre d'espaces où on peut partager, où on peut collaborer, où on peut échanger. Et ça, je pense que c'est cette question du lien social dans le travail, quelle qu'en soit la forme, elle est importante. Bruno Lafont, deux mots. Il faut se réjouir quand même qu'il y ait tant de jeunes qui aient envie de devenir entrepreneurs en France. C'est vraiment, une autre nouveauté. Et voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de changer, qu'on sent sur le terrain. Quand est-ce que ça va effectivement donner les résultats qu'on peut en attendre? J'espère très bientôt. Mais pour ça, il faudrait que, et là je suis assez d'accord avec Pierre Gattaz, qu'on soit capable de décider tous ensemble, mais de changements parfois un peu... Sur la pédagogie, on va dire, façon dont les Français perçoivent les entreprises. Alors, ils aiment beaucoup les startups, ils aiment beaucoup les PME, surtout les hommes politiques. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils adorent tous les PME. Mais alors, vous faites partie de la race ONI entre toutes, c'est les patrons du CAC 40. Comment ça se fait qu'il y a un tel divorce entre les grandes entreprises françaises, qui sont des réussites entrepreneuriales,
comme la Farge, hein, qui, et l'opinion publique ou les médias ou les politiques qui osent pas s'afficher. La France, grands... la France est championne en termes de nombre d'entreprises mondiales. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mondialement reconnue. J'ai pas de réponse complète. Je passe pas mon temps à analyser. C'est une question très compliquée à cet endroit, effectivement. Mais alors, est-ce que ça... Alors, on va la poser autrement. Est-ce que ça pose un problème ? Si vous interrogez les collaborateurs de l'entreprise, ils sont très fiers d'en faire partie. Mm-hmm. Parce qu'ils sont très fiers même de faire partie de cette aventure. Ils sont très fiers. Bon, et le reste, bon, bah, c'est... Ouais, et la Farge a plutôt une bonne image. Hein. Vous n'êtes pas le pire... Il y en a où des banquiers, par exemple... Il faut faire très attention. Et ou des pétroliers qui ont... On doit être responsable, on doit essayer de... On doit être capable... Et alors, juste pour revenir vraiment à notre sujet, est-ce que ça pose un problème lorsqu'il faut donner goût au travail, c'est-à-dire trouver des jeunes diplômés, des jeunes ingénieurs? Est-ce que vous en trouvez? Ou alors l'idée de travailler dans un grand groupe fait peur à cette génération millénium là dont on parlait, ceux qui sont nés avec Internet et qui préfèrent aller chez Blablacar ou être auto-entrepreneur. Est-ce qu'il y a un problème dans le... En 2009, c'était le début de la crise vraiment, vraiment très profonde. Et dans notre secteur, c'était pire que tout. Et on avait décidé de dire, vraiment, cette fois-ci, on le fait. On aura 5% de jeunes dans l'entreprise sous forme de stage, d'apprentissage, etc. Mais 5%, ça va en venir en 300. On n'a eu aucun problème à les trouver. Hein. Et il y en a certains qui sont restés. Donc, ça n'est pas impossible. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Tout le monde ne veut pas être dans les start-up. Hein. Tout le monde ne veut pas... Et je pense donc... Mais effectivement, je suis plus sensible à ce que disait madame. Parce que ça veut dire que le problème n'est toujours pas résolu. De l'adéquation entre l'offre et la demande. Je me rappelle, il y a 30 ans, regardez, mais très en détail, hein, les formations techniques courtes, combien de temps il fallait pour décider de la création d'un CAP? Alors, dans un monde qui évolue si vite, mettre 10 ans dans notre processus bureaucratique à créer un CAP, c'était le cas il y a 30 ans, j'espère que ça s'est réduit, on n'arrivera jamais, quoi. Et effectivement, ceux qui payent, c'est les jeunes et c'est les entreprises françaises. Et ça change, vous pensez, à l'éducation nationale, par exemple? On se dit qu'il faut donner le goût du travail aux jeunes dans les entreprises. Je ne peux que raconter une anecdote. J'ai une petite fille qui m'a demandé de l'aider en économie en première et en terminale. Et donc, elle était à Paris et moi en Lorraine, et chacune avec le bouquin, et on communiquait par Skype. Et alors, mon travail a consisté à traduire l'économie. Mais je n'ai jamais vu un truc aussi incompréhensible, abscon, conceptuel, mais impensable, mais impensable. Alors j'étais obligée de lui traduire en termes totalement vulgaires. Tu vois, tu achètes un bouquin, il faut qu'il y ait du stock. Pour avoir du stock, il faut que quelqu'un ait mis de l'argent. Mais on ne peut pas comprendre l'économie en lisant un bouquin de première, hein, je vous assure. Franchement. Alors, il faut lire Challenge, c'est beaucoup plus facile. Total, total. Il y a un divorce total entre l'enseignement et la réalité économique, hein, franchement. Très bien, mais je vais vous laisser le mot de la fin. Vous avez beaucoup souffert avec la demi-heure de Pierre Gattaz. Peut-être nous dire, vous aussi, répondre à la question, le très bon souvenir de ce quinquennat et puis le pire souvenir. Je ne sais pas si je dirais le très bon souvenir, et ça m'embête de cantonner au quinquennat, parce que ce que je voudrais dire... Vous avez fait un peu de politique, là. Ce que je crois, moi, c'est qu'une organisation syndicale comme la mienne a une haute conscience qu'on est en train de vivre des mutations extrêmement profondes, qui sont les mutations de l'économie, mais aussi les mutations du travail, les mutations des aspirations sociales, les mutations... liées au numérique, liées à l'allongement de la durée de vie, je l'ai dit, liées aux exigences de rendre la croissance soutenable, parce que vous avez dit, on a l'obsession de la croissance, nous aussi, mais la croissance soutenable et pour l'environnement et pour les hommes, et que du coup, notre engagement dans les réformes, et c'est pour ça que je fais remonter ça avant ce quinquennat, c'est-à-dire notre engagement dans les réformes depuis 2008, la représentativité, 2013, la loi sur la sécurisation de l'emploi, 2014, la formation professionnelle, 2015, le dialogue social, 2016, la loi El Khomri, des réformes dans lesquelles on s'est toujours battu pour obtenir des droits nouveaux pour les salariés, c'est vraiment ça. C'est adapter le monde du travail
à ce nouveau monde-là, considérer que ne rien changer était catastrophique pour les salariés comme pour les entreprises, et considérer que par le dialogue social, on peut justement créer le compte personnel d'activité, qui est un compte qui attache des droits aux individus, qui va finir par rendre insensible le statut qu'on a, qu'on soit fonctionnaire, salarié du privé, auto-entrepreneur, peu importe le statut, on aura tous les mêmes droits. Et ça, je pense que c'est une souplesse incroyable pour les entreprises. Et c'est pour ça que je suis un peu parfois déçue, pour ne pas dire en colère, par le discours de Pierre Gattaz, qui devrait le dire, ça. On a fait bon, ça, y la compris question par la était négociation sur, avec sur les François employeurs. Hollande. Alors, le pire souvenir bah, le pire souvenir, c'est les conditions dans lesquelles peut-être est sortie la loi travail, puisque je pense qu'effectivement, il n'y avait pas justement eu suffisamment de dialogue et de concertation, ce qui fait qu'il y a eu des malentendus quand le texte est sorti, qui ont amené des conflits dont on aurait pu se passer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On a terminé sur une petite note un peu politique avec cette fameuse loi El Khomri, mais on était quand même dans le sujet, parce que je vous rappelle que la loi El Khomri, elle va changer quand même pas mal de choses, peut-être un peu plus qu'on l'imagine, et des décrets sont en train d'arriver. Merci à toutes et à tous.